Oh, hi, Mark. Salut à tous, c'est Citadin et quoi de mieux qu'un pompe, un double pompe, à savoir le Reclaimer Akimbo que pour exploser du zombie. Bref, en ce thème d'Halloween qu'on a sur cette fin de Warzone, je vais vous donner la petite classe du Reclaimer, c'est parti. Avertissement, cette classe est dénommée comme étant toxique, cancer, horrible, que les mecs qui jouent avec sont nuls et sont des gens très stupides. Mais bon. C'est assez amusant. Alors, en bouche, tu vas mettre le Choke Bryson. Au niveau des munitions, tu vas mettre le souffle du dragon. Le laser, tu mettras le laser tactique STOVL. Ensuite, en poignée arrière, tu vas mettre la bande de poignée rotor 90. Et super important, il faut mettre le kit de conversion Jack Devastators. Et avec ça, tu auras une arme assez comique. Petit détail aussi, vous savez que les armes Akimbo, vous pouvez les mettre soit en associé ou alors en indépendante. C'est-à-dire que lorsque vous allez appuyer sur R2, c'est l'arme de droite qui va tirer. Et lorsque vous allez appuyer sur L2, c'est l'arme de gauche qui va tirer. On va vite voir ça pour s'en rappeler. Vous allez dans les paramètres, vous allez dans Gameplay. Et lorsque l'on remonte ici en venant du bas, c'est ici. Vous avez dans Gameplay, paramètres de l'Akimbo. Vous pouvez mettre en associé ou en indépendant. Et bien pour jouer le Space 12, mettez en indépendant. Voilà pour la petite astuce paramètres pour gérer les Akimbo Reclaimer 18 dans n'importe quel mode de Warzone. Sur ce, merci à vous de laisser un petit like, éventuellement également aussi un petit commentaire. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui regardent les vidéos, qui sont sur la chaîne, abonnez-vous. Portez-vous bien, on se dit à très bientôt. Ciao ciao. Stop it. Get some help. Wait a minute. Who are you? Wait for it. Here it comes. Almost there. That was easy. Mais non! Yeah, boy. Ich liebe dich. Arriba! Venga, perro.
Preocupa, ¿qué no pasa? Mames, wey, no mames. ¿Qué pasando? No mames, dame un toque. Un toque, güey, un toque.